Bienvenue pour suivre Nouvel Sport. Aujourd'hui, nous commençons avec une nouvelle nationale. 9 médailles d'or et bilan résultat Zen Nazaire Cécélois de compétition Cana Zone 4 l'Afrique qui dit préfère Malawi. Parmi Nathan Nagapin, son performance tient plus remarquable qu'il est capable de causer 4 médailles d'or. Sa zen équipe qui retourne Cécile aujourd'hui après-midi. Côté porte, pour jeune Sabana Zen Nazaire, le ministre Bitsilari, avec les autres officiers de son ministère. Pour Nathan Magapen, âgé 12 ans, incapable de mettre tout dehors pour passer de 50 et 200 mètres nas libre. Aussi, dans les meilleures performances dans 50 mètres brase, en tout Nathan, qui connecte 4 médailles lors de sa compétition, et pour lui, il simplement croit qu'il sont l'entraîneur, il est libre pour donner sa bonne performance. Tiens, goût. Si un hard, la bâti un peu joli. Détermination, le moment même un peu, et après, le mon coach tout, à cause de mon coach qui aide mon poussé pour faire arriver gagner l'or aujourd'hui. Et mon coach il fait bien. Merci mon parent qui me pousse mon tout, il dit mon, non, on a zé, à quoi on a zé. Nager pour un bilan, nager pour une bon athlète. L'autre nager qui nous a démontré sa qualité de sa compétition, la côte est entourée avec Benazen, Thérèse Soukoup, fort de grande distance, est capable de faire bien de 200, 400 et 800 mètres nage libre. Pour Thérèse, 3 médailles d'or, il a encore montré son détermination, même si pour lui, compétition pas facile. It was a really tough race. I was having lots of competitors, such as the South Africans, but I managed to beat them, which I'm really happy because I trained hard for this competition. Thérèse Soukoup, à présent, sur l'autre mission à l'étranger, y participation de process with Commonwealth. I'm going to the Commonwealth Games in 4 days, and I'm just planning to get some PBs and all that, and then I'm just trying to train hard and all that. Yeah. Pour Demian Payet, qui lui finit avec 2 médailles d'or, il a aussi une bonne performance de 400 et 800 mètres nage libre. Il simplement dit qu'ils sont sur l'entraînement, qu'il est capable de faire une différence. La compétition était hard, so I tried my best for me to get these medals, and I'm happy. They were very strong. And fast, but I try my best. Et total, 9 médailles d'or, 6 l'argent et 4 des bronzes. Ils couronnent le succès à Zen à l'équipe Cécile, côté Cana, zone 5, l'Afrique, qui t'a pu faire Malawi. 9 médailles d'or sur 20 médailles, ça prouve qu'on est très compétitif. On ne fait pas juste la quantité, on fait vraiment la qualité, on va chercher les bons résultats. Donc on espère l'année prochaine monter sur l'Afrique Junior avec certainement des podiums. Ce que je disais, c'est que ce groupe-là est jeune, on n'a pris que des jeunes. On est parti avec vraiment des petits marmailles et l'objectif, c'est même pas le Jeu des îles pour 2019, c'est d'être vraiment super top pour le Jeu des îles 2023. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc sur 7-8 ans pour former un nageur, ça fait 2 ans qu'on travaille. Il y a encore un petit moment, il y a encore des étapes à gravir. C'est top, hein. C'est vraiment, on a fait des résultats vraiment top, une équipe vraiment qui a bataillé jusqu'au bout, fatiguée. C'était difficile pour tout le monde, mais le résultat est là et ça, c'est vraiment super. Et ministre pour sport, Mitsi Larry, qui félicite Saban Nazaire pour votre performance et demande les autres zen pour continuer le travail dit que de l'entraînement avec votre détermination et rester positive pour être capable de faire cesser le fier. Vraiment, comme c'est comme un ministre sport, moi vraiment, on est la fierté aujourd'hui, contentement, à cause de nous voir 7 Nazaire qui n'ont pas participé, 9 médailles en tout. Il montre au coup de dans sa sport pour faire quantité. Comme si ben Nazaire, autres ben Nazaire prometteurs. Et si tout encore très jeune, il y en a qui sortent dans l'école l'État, dans l'école privée. Mais si montre au coup de fédération aussi, Nazaire peut faire un beau travail. Et nous ben jeunes aussi peut montrer sa détermination, sa l'envie pour gagner. Après les World Participants, les compétitions pareilles, si on n'a pas l'envie pour gagner, ou pas envie de flotter par vieux c'est celle où on peut arriver. Et alors moi, ça qui m'a d'abord dit ben Nazaire. C'est donne plus encore, continue, et les autres pensent à l'exemple et fait pavillon Cécile monter. Pour ça, il y a l'exemple clair devant nous pour nous voir, pour dire un petit gain, mais qualité, il amène nous des médailles. Félicitations, Ben Nazaire, et moi demande les autres zènes pour venir joindre participer.
Nous continuons avec le volleyball, que nous avons dit après-midi, tiens un job pour la compétition champion club l'Afrique, côté Cécile, qui est représenté par Swim Blue Pulse. Dans sa compétition qui peut faire que l'ESIP, l'équipe champion l'océan Indien, Swim Blue, est dans poule B, à côté club libyen Al-Sueli, Finance sorti Bénin, DGSP sorti Congo, Aviation sorti l'ESIP et l'équipe camerounais Bafia. Nous continuons avec le football, côté l'équipe pralinois, Côte d'Or, il connaît son premier victoire dans la Ligue Première Division sa saison, dans un match contre La Paz, après Sibi une défaite de la saison passée, de l'homme à l'équipe d'Igua. Sa fois-ci, Côte d'Or, il fait une revanche, l'état de score 4 fois contre La Paz. Sa tisote première victoire dans 3 matchs, tandis que La Paz tisote première défaite sa saison. C'est un match qui beaucoup de supporters ils posent, tu peux espérer. Premier match est assez balancé entre les deux équipes, mais Côte d'Or ici, à travers Dave Bouilloche, bonnet de sa première match, tu peux pour ton goal qui peut la passe Paul Akon. De son côté, c'est l'équipe d'Igua, tu n'as pas encore quelque chose pour offrir. Mais 2-3 minutes après, Côte d'Or tu prends pas décisif, les temps qu'ils sont capables de prendre l'avance à travers les Sey Malgas, Farahibe Voavi. 1-0 tient goal qui tibouze la passe parce qu'ils ont persisté avant halftime pour les autres égaliser pour faire score 1-1. Et sa score qui reste jusqu'à la fin première match. Bonheur dans la deuxième match, mon pico 10 secondes. Côte d'Or qui répond aux autres l'avance, les temps qui l'autre frère, Kassa Voavi, lui, il bat le goalkeeper Akon pour une deuxième fois dans sa rencontre. Score qui n'arrive de loin pour Côte d'Or. Après ça, suivant ça l'incident, refri Emile Fred est obligé de faire marcher son carte rouge direct et ça t'a poussé la passe Perry Monet et Côte d'Or Oliver Bonté. Tour de l'équipe alors tu continues match avec 10 joueurs. La passe qui fait tout pour autre égalisation pour une deuxième fois de sa rencontre. Mais le free kick ici, Reno, tu vois son laissé gagner sauvé par un goalkeeper Curtis Jean-Baptiste. Pression qui montait le Côte d'Or pour un peu les temps. Là, Achille Henriette, il flotte sa corner. L'essai défenseur Mazembe Godwin, qui gagne déflecté avec un crossbar. Et le rebound, Sean Barbe, qui est trop facile son essai pour battre le goalkeeper Jean-Baptiste. Après, Côte d'Or, qui gagne une bonne opportunité pour augmenter le score. Mais Farahibe Voavi, qui va son essai, gagne sauvé par le goalkeeper Akon. Suivant passe son frère Kassa. Mais minutes plus tard, sa attaquant qui corrige son faute, l'état qui fait score 3-1 avec son deuxième goal personnel. La passe aux autres qui peut bénéficier 3 minutes après avec un pénalty, l'état qui j'ai rabassé et met Achille Henriette à terre de carré. La série nous qui tire du score 2-3. À peine que la passe qui peut célébrer et c'est un goal égalisation pour faire 3-3. Zafé Chalmal, l'état qui manque 3 lignes, il contre-attaque. Andy Bouilloche, il passe pour Voavi, fait score final 24-1, donne Côte d'Or son premier victoire dans les premières divisions sa saison, tandis qu'il la passe, zote zot premier défaite dans 3 rencontres. Aujourd'hui, il y a une grande amélioration. Je crois que nous avons été conscients pour dire que nous avons besoin de gagner 3 points. Nous avons mis ça l'envie, sa commitment, sa détermination. Félicitations pour vous. Et next match? Next match, nous avons le travail, quelque chose qui nous fait mal, nous continuons à travailler là, qui nous fait bien. Et pour nous penser à l'autre game plus sérieux avec Dynamo. Justement, demain, Action Football, il continue avec un match amical international pour Cécile qui peut rencontrer Swaziland. Sa match pour commencer 5h30, stade l'Unité. Entre temps, mercredi, dans la Ligue 2e Division, côté à partir 5h30, le stade d'Unité, c'est l'équipe en bas 19 ans qui peut rencontrer Real Maldives. Et 7h30, Tigers pour se compte Gracie. Eh bien, le salut, mon ami, va la fin de l'espoir pour aujourd'hui. Tiens plaisir pour avec vous. Merci pour qui nous suivent.